Imaginez que vous avez par erreur supprimé les photos de vos dernières vacances ou que vous avez perdu des contacts importants. Pas de souci. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment récupérer toutes ces données précieuses en quelques étapes simples. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, vous avez probablement perdu des données importantes sur votre iPhone et vous ne savez pas comment récupérer ces données. Alors, t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment récupérer toutes les données supprimées ou perdues sur votre iPhone facilement et rapidement et sans aucune expérience. Et avant, si cela est la première fois que vous voyez mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-toi sur ma chaîne. Aussi, activez le bouton de la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Donc, pour récupérer vos données supprimées ou perdues sur votre iPhone, on va utiliser ce logiciel. Et comme d'habitude, lien de logiciel sera dans la barre de description. Si c'est le site du logiciel, clique ici pour télécharger le logiciel sur votre PC. Une fois le téléchargement du logiciel a terminé, installez-le puis ouvrez-le comme ça. C'est ça l'interface du logiciel, très facile, pas compliqué. Donc, Dr. Phone est un logiciel très pratique pour récupérer et gérer les données de ton smartphone ou tablette. Il te permet de retrouver des fichiers perdus comme des photos, vidéos, contacts et messages, même si tu les as supprimés ou si ton appareil est endommagé. Si tu as fait une sauvegarde de tes données avec iTunes ou iCloud, Dr. Phone peut aussi t'aider à les restaurer facilement. En plus, elle propose des outils pour transférer des fichiers entre différents appareils, sauvegarder ton téléphone et même réparer certains problèmes système. Elle t'aide à garder tes données en sécurité et à les récupérer quand tu en as besoin. Bref, c'est une solution tout en un pour gérer tes données mobiles sans prise de tête. Et donc, pour récupérer vos données supprimées ou perdues, suivez simplement ces étapes. Connectez votre iPhone au PC via câble USB, comme ça. Voilà, l'iPhone est bien connecté, clique sur récupérer, soit apparaître avec vous cette page, donc sélectionnez les données que vous souhaitez récupérer, puis clique sur analyser. Attendez ensuite jusqu'à l'analyse soit terminée. Voilà, l'analyse a terminé avec succès. Le logiciel, il a bien récupéré les données supprimées. Sélectionnez maintenant les données que vous souhaitez récupérer. Et après, récupérez les données sélectionnées sur votre iPhone ou sur votre ordinateur, tout simplement. Une fois que vous avez récupéré vos photos et d'autres données, soit apparaître avec vous le dossier qui contient tous les fichiers récupérés. Voilà, comme vous pouvez le voir, les photos ont été récupérées avec sa qualité originale. Maintenant, chaque fois que vous supprimez ou vous perdez vos fichiers, utilisez ce logiciel pour les récupérer. Vous pouvez également utiliser ce logiciel pour sauvegarder vos fichiers importants et vous pouvez le récupérer à tout moment. Également, vous avez cette option vous permet de faire plein de choses. Je te conseille à télécharger ce logiciel car il va beaucoup t'aider. Donc, si vous avez aimé cette idée, n'oubliez pas de mettre like pour la vidéo. Au revoir à la prochaine vidéo.